Psaume 150. Le verset premier. Nous connaissons pratiquement tous ce psaume-là. Ce psaume commence par Alléluia. Et dans la version de la Bible que Dieu nous a fait traduire, nous avons mis ce nom-là, merci Déo, nous avons mis ce nom-là en deux. Donc, Alléluia, et ensuite on a mis un trait d'union, Ya. Alléluia. Parce que dans ce mot-là, comme vous l'avez compris, il y a le nom du Créateur. Et ce nom-là, Yahweh, est le nom le plus cité dans les Écritures. En fait, Yahushua, Jésus, comme vous le savez, signifie simplement Yah est sauveur. C'est-à-dire, vous qui êtes fatigué, vous qui avez des problèmes, vous qui êtes blessé dans les églises, vous qui êtes violé, vous que les sorciers veulent détruire, vous que les hommes veulent détruire, vous qui êtes blessé, fatigué, vous qui avez des problèmes de maladie, je ne sais pas quels sont vos problèmes. Au lieu que des pasteurs, des prédicateurs vous présentent le véritable Dieu, vous disent véritablement vers qui aller, ils sont venus, ils ont pris la place de Dieu. Ils se sont substitués à Dieu. Ils sont devenus vos pères spirituels alors qu'il n'y a qu'un seul père spirituel. C'est Yahushua Mashiach, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Vous voyez? Ils ont pris la place de Dieu dans vos cœurs. Ils sont devenus des manitous. Des gens que vous devez consulter pour connaître la volonté du Seigneur. Depuis la croix, on n'a plus besoin de chercher un prophète pour connaître sa femme, son mari, pour connaître son avenir. Vous voulez connaître votre avenir? Lisez la parole du Seigneur, votre Seigneur. Alléluia! Aujourd'hui, nous déclarons le chômage de faux prophètes au Congo-Brazzaville, dans notre nation. Ça va chauffer. Et si Dieu me dit de rajouter des jours là, pour rester en vie, on va rajouter. Personne ne va sa main sur nous. Je dis parle d'argent un peuple nombreux au Congo Brazzaville. Je vous dis. Et Dieu me dit de dire ceux qui vont se mettre en travers de cette mission là, que Dieu a commencé véritablement cette fois-ci. Parce que le deuxième base, Dieu a commencé ce deuxième base au Congo Brazzaville. Ceux qui vont se mettre en travers, que ce soit les bishops, tout ça, je ne sais pas. Je vous dis, pas que croyez ou pas. Dieu dit l'épée est sortie de son fourreau là et il va frapper. Ça va être quelque chose. Alléluia. La délivrance par la révélation du nom de Dieu. Dieu veut que son nom soit restauré dans les églises. Que son nom soit restauré dans vos cœurs, que son nom soit restauré dans vos cœurs, dans mon cœur, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos couples. On a remplacé Dieu par les hommes. On a remplacé Dieu par les églises. Dieu dit dans la parole, Paul dit dans Romains 1, ils vont choisir, ils vont préférer servir la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Ils ont préféré adorer et servir la créature. Est-ce que vous savez que l'Église est une créature? Donc je parle de l'Église, toi et moi. Vous savez ça, non? Maintenant, on vous prêche, on vous demande dans vos églises ici au Congo, par exemple, dans le monde, à servir plus les églises, la créature, au lieu de servir le Créateur. Je prends un exemple. On vous dit que vous devez être plus fidèle à vos réunions d'église qu'à Dieu. Si Dieu vous demande de ne pas aller à l'assemblée un dimanche, votre pasteur va vous appeler pour savoir pourquoi vous n'êtes pas venu. Parce qu'il estime que vous manquez à votre devoir. Or, votre devoir premier, c'est d'obéir au Seigneur et non aux hommes. Vous voulez que je parle, frère? Alléluia! Ça va chauffer. Avant d'être membre d'une église locale, les chrétiens sont d'abord membres du royaume de Dieu.
Nous sommes d'abord serviteurs de Dieu, serviteurs de son royaume, car nous sommes des prêtres et des rois. Mais vous, pendant des années, on vous a demandé de servir l'église. Toi, ton rôle, c'est de balayer l'assemblée. On ne balaye pas l'église. Toi, tu es diaconesse, tu dois t'occuper des toilettes. Toi, tu dois faire les beignets, les mécatés. Diaconesse. Toi, ton rôle, c'est de t'occuper des finances. Et si tu veux chanter, adonner un cantique, oui, tu dois de la chorale, tais-toi. Tiens, nous faisons Babylone. En vous demandant. Sorcellerie. Sortez de là. Fuyez. Courez. Sauvez-vous. Courez. Le chemin, on va parler. Vous allez parler désormais vos millions. Vous allez aider les veuves, les orphelins. Vous n'allez plus enrichir les charlatans. Vous n'allez plus enrichir les voyous qui viennent de la RDC pour envahir le Congo Brazzaville. On va parler. Amen. Qui paye les gens pour faire les faux témoignages de Nia. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. C'est-à-dire loué-ya. Un seul doit être loué. Un seul doit être vanté. Quand j'entends les talakou, c'est ça non? Les talakou, non? C'est-à-dire les talakou. Les atalakou, ah, atalakou, atalakou. En français, comment on dit ça déjà là? Les animateurs là. C'est-à-dire les chauffeurs de salle. Ils chauffent les salles avant que les voleurs viennent s'asseoir sur leur trône. Maintenant, nous allons accueillir l'homme de Dieu, l'homme du ciel. Le number one de Dieu. Le machin. Tiens ton voisin, l'impudique. Le voleur. Le charlatan. Vous ne jouez pas. Vous ne jouez pas. Vous connaîtrez la vérité. Papa, ça colle là. On dit non, non. Porte, élevez vos linteaux. Que l'homme de Dieu entre. Non, dans le psaume 24. On dit porte et élevez vos linteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. Attends-le, attends-le, attends-le. Nous sommes dans la semaine. En fait, le but de notre rencontre, c'est quoi? C'est louer le Seigneur et apporter l'évangile aux frères et sœurs afin qu'ils soient libérés, aux nations. Et surtout, c'est la délivrance par la connaissance ou la révélation du nom de Dieu, du nom de Yahushua, de Jésus, le nom du Seigneur. Car seul ce nom, comme vous le savez, peut nous libérer. Alors, Yeshua dans Luc 24 dit aux apôtres, après sa résurrection, il dit que les Écritures ont parlé de lui. Et en parlant des Écritures, il a fait allusion à la Torah, c'est la parole de la loi, la Torah. Deuxièmement, il parle des prophètes, les Nevi'im. Et troisièmement, il parle des Ketuvim, les écrits. Or, parmi les écrits des Ketuvim,
Hein, les Ketuvim, il y a les psaumes. Les psaumes, comme vous les avez, sont des chansons. Ça veut dire que le but des chants, de la musique, c'est la louange, l'adoration du Dieu unique, dont le nom fait trembler l'enfer, l'univers, les cieux, la terre, sous la terre. Donc toute musique qui n'a pas pour but de glorifier Dieu doit être automatiquement rejetée. Donc quand vous avez vos atalaks, vos animateurs, les présidents de culte là, qui disent, maintenant nous allons nous lever pour accueillir l'homme de Dieu, sorcellerie. Si vous vous levez, vous êtes des adorateurs de Satan, des idolâtres. Un seul mérite à toi. Donc quand les atalaks viennent et qu'ils commencent à vous dire, nous allons accueillir maintenant le grand homme de Dieu, c'est un homme que tu utilises, un homme que tu as mandaté, toutes ces paroles qui glorifient, qui gonflent l'homme, l'homme poussière charnelle, vous devez même prier pour que cet atalak soit délivré des démons de sorcellerie. Une des caractéristiques d'un enfant de Dieu, c'est l'humilité. Alléluia, c'est vanter Dieu. L'église a été fondée et laissée sur terre pour vanter Dieu. Et je vous dis pour vanter Dieu, c'est-à-dire faire que Dieu brille dans le monde, faire que Dieu soit loué, il faut avoir vécu au préalable la puissance du nom de Dieu. Je vais vous dire une chose. Vous savez que la première fois où véritablement le verbe louer va être utilisé dans la Bible, c'est avec la prophétesse Myriam, la sœur de Moïse. Hein? Écoutez bien, pas de Alléluia. C'est-à-dire, louer Yah, louer Yehoshua, louer Jésus, louer Dieu. Moïse va libérer le peuple en Égypte. Pharaon avait la plus grande armée à l'époque. Pharaon avait les plus grands magiciens, les plus grands sorciers. Dieu envoie Moïse libérer son peuple en lui révélant son nom. Moïse arrive là-bas, libère le peuple. Il partait maintenant avec ses millions de personnes vers le désert de Sinaï jusqu'à Canaan. Arrivé devant la mer morte, obstacle. Il n'y avait pas de pont, pas de tunnel, pas de bateau, rien. Comment faire pour traverser? Et il y avait devant eux la mer rouge, derrière l'armée égyptienne. Ils étaient pris en sandwich. Dieu dit à Moïse, prends ton bâton, frappe la mer. Le peuple va traverser à sec. Moïse prend le bâton, lève le bâton, la mer se sépare en deux. Je vais vous dire une chose, Dieu est magnifique. Tu ne peux pas le louer si tu loues ton pasteur. Si tu loues Chora, c'est que tu ne connais pas Dieu. Tu ne peux pas louer quelqu'un qui est moche alors que tu as rencontré la femme la plus belle. Parce que moi, à côté de Jésus, je suis moche. Mais Jésus à moi, je deviens beau, je deviens beau. S'il n'est pas là, vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui se passe? La mer se sépare. Dieu est le plus grand architecte, artisan. Il a fait travailler le peuple pour ne pas qu'il soit stressé à cause de la pression de Pharaon. Dieu a mis deux grands aquariums, l'un à gauche, l'autre à droite. Il regardait à gauche, il voyait des volcans qui le regardent comme ça. Mais il ne peut pas sortir. Il y a des ennemis pendant que tu marches qui t'observent. Il y a des paroles. Lui donne à ma gauche, lui à ma droite. Amen. Il faut seulement observer ta progression. Amen. Parce que tu as reçu la révélation du nom du plus. Les requins étaient là.
Myriam prend son tambourin. Elle convoque tout le monde. Alléluia. Louez Yahweh. Tout le monde commence à chanter. Vous savez pourquoi? Ils ont vu. Ils ont vu. Ils ont touché. Ils ont palpé. Ils ont entendu. Ah! On les envoie arrêter. On les envoie arrêter Jésus. Je parle de la louange. Nous devons apprendre à louer Dieu. Par notre vie, par notre bouche, notre manière de nous habiller, notre manière de nous comporter. Que tout soit pour sa gloire. Ah! On les envoie l'arrêter. Ils arrivent là-bas, ils ont commis une grave erreur, ils l'ont écouté. Ils ont commencé à l'écouter. Ils ont commencé à l'écouter. Ils ont commencé à écouter Yeshua. Plus ils l'écoutaient, plus ils baissaient la garde. Ils ont déposé les armes sans même se rendre compte que les armes étaient par terre. Ils sont repartis les mêmes vies. On leur pose la question, mais où est-il? Ils ont dit non. On a écouté les prédications ici. On a écouté les bishops de Brazzaville. On a écouté les apôtres internationalement connus. Mais ce temps-là, jamais on n'a parlé comme du temps. Quand Jésus parle, frère, j'étais en Caïn, moi, un malade, petit mais dangereux, comme le piment là, plus il est petit, plus ça pique. Vous avez vu les caniches, les petits chiens là? Plus ils sont petits, plus ils sont brillants. Ils ont peur, ils crient. C'est comme ça qu'on était là. Mais Jésus est venu m'a parlé. Quand je vois des belles femmes aujourd'hui, je le compare à Jésus. Non, vous êtes belle. Mais Jésus, ses yeux, sa démarche, sa robe, sa ceinture, ses cheveux, sa voix. Qu'est-ce que je vois chaque fois un bishop? Oh, je crois que tu vas être mon père spirituel. Moi, je veux te décevoir. Tu vas me chercher avec une lampe, tu ne me verras jamais. Mais quelqu'un a dit, cherche-moi, invoque-moi et je te réponds. Dieu me dit reste là-bas. Je fais quoi? J'obéis à Dieu. Je suis au service de Dieu et non à ton service. Dieu peut changer le vent, changer de direction. On ne contrôle pas les enfants de Dieu. Je ne cherche plus la collaboration des hommes. Quoi que nous avons besoin des frères et sœurs, attention. Mais je veux connaître mon doudou d'amour. C'est doudou. C'est toi l'amour de ma vie, doudou. Ne m'abandonne pas, chérie. Oh, Jesus, I need you, love you. Beau Seigneur. Jésus, si tu cherches encore les pasteurs, c'est que tu n'as rien compris. Je vous dis une chose, ça fait 27 ans aujourd'hui, 27 ans que je ne suis parti voir aucun médecin. Ma vie est un témoignage, ma vie est la preuve que ton Dieu est vivant, que tu es vivant. Frère, sœur, écoutez bien et ne cherchez pas les autres. Il est mon cardiologue. Il est mon ophtalmo. Mon médecin généraliste. Jésus, il me dit ce que je dois manger. Quel fruit manger?
pour me soigner. Jésus, vous le comparez à qui? Il dit à Ézéchiel 40, à qui allez-vous me garer? À qui? Celui qui a rencontré Dieu, ou je dirais celui à qui Dieu s'est révélé, même dans la maladie, il plie les genoux. Jésus, tu veux le combat à qui? Vous courez après les riches. Pourquoi? Vous avez celui qui a créé toutes choses en vous. Et vous courez après les riches de ce monde. Vous n'avez rien compris, frère. Vous n'avez rien compris. Ce sont les riches qui doivent nous chercher. Et quand ils viennent nous trouver, nous leur disons, votre argent, on n'en veut pas. Nous voulons vous présenter quelqu'un. La star des stars. La marquise de la Syrie, avec sa richesse. Oh, il faut des prophètes comme Élisée, Élisha. Naaman vient avec de l'or, de l'argent. Il est parti voir le prophète, ou bien que celui qui a appelé, celui qui a mandaté ce prophète, celui qui a créé l'or et l'argent. Dieu dit au prophète que sors pas. Je veux lui apprendre une bonne leçon. Envoie Géasi. Géasi va voir Élisée et lui dit, va te laver sept fois la main. Ah, si ce sont vos pasteurs ici là. Ils vont courir pour dire nous avons besoin de francs CFA pour construire l'église. Jésus. Alléluia. Frère, je vous dis une chose. Satan est venu me voir. Il m'a pris. Il m'a soulevé. Il m'a emmené sur une montagne. Il se manifeste comme ça. Il dit c'est lui Jésus. Je dis non, tu n'es pas Jésus. Il me dit, si c'est moi Jésus, non, 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 non. Je connais un peu mon goût d'amour, mon Jésus. Je ne sais pas Jésus. Deux pigeons qui étaient venus me voir, un à gauche et un à droite, ils m'ont pris, ils m'ont soulevé. Satan voulait que je l'adore, comme beaucoup de pasteurs l'adorent aujourd'hui. Dans vos églises ici, c'est Jésus qu'on a, c'est Satan qu'on adore. Dans ces bâtiments qu'ils construisent là, qu'ils inaugurent là. Ce sont les démons qui sont assis là-dedans. Il loue les hommes, il loue les prophètes, il loue les femmes prophétesses. Mais Dieu, où est-il? Où est Dieu? Où est l'église au Congo Brazza, en Afrique? Où est l'église? Il dit, c'est lui Jésus. Je dis non, 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 non. Je lui dis non, non, non. Donne-moi, Jésus, donne-moi le nom du Père. Il bouge comme ça. Il me dit, le Père n'a pas de nom. Je dis, si, le Père a un nom. Donne-le-moi. Il dit non. Je dis, je veux voir le vrai Jésus maintenant. Je veux voir le vrai Jésus. Le ciel souffre comme ça. Je vois le roi, le maître, qui est en chemin. Descends. Il avait une longue robe blanche, comme c'est écrit dans la Bible. Frère, quelle élégance! Quand il a commencé à descendre, Satan a commencé à courir dans tous les sens des bâtiments. Je lui ai dit, voilà. Et là, quand c'est comme ça, face au véritable Dieu, les genoux, tes genoux, ne te demandent même pas la permission. Ils font ça. C'est lui. Il dégage un parfum. Un parfum qui te rassure. Il n'a pas besoin de ton portefeuille. Il ne te condamne pas. Il te rassure. Il te rassure. Il t'apporte la joie, la paix. Oh, Jésus. Non. Alléluia. Rendons gloire au Dieu véritable. Les psaumes, ce sont des chants. Et l'objet de notre chanson doit être, ou le personnage central doit être Yehoshua. Aujourd'hui, des musiciens chrétiens commencent à faire des chansons pour leurs femmes. Sorcellerie, magie blanche, l'idolâtrie. Jésus, Jésus, Jésus.
il me rend de plus en plus sensible. Quand je m'approche des hypocrites, ils me disent c'est l'hypocrisie. Tu sens ça. Quand il y a une femme sirène, tu approches sirène des eaux. Frère Jésus, quand des gens te critiquent, tu les approches, ils te disent voilà ce qu'ils ont dit. Voilà, mais je ne le dis pas. Vous n'êtes pas devenu mystique. Oh Jésus! Jésus! Il vient te voir quand tu dors. Tu lève-toi. Va prier. Parfois tu es fatigué, je suis là, je dis Seigneur, je suis fatigué. Il envoie un ange qui vient te serre, puis te tire sur lui. Tu sursautes. Jésus? Tu veux le comparer à qui? Ici à Brazza. À qui? Un roi, Nebuchadnezzar. Il était sur son balcon. Il commence à se dire, dans son cœur d'abord, hein, il voulait parler, c'était encore dans son cœur. La parole était encore sortie. Il dit, n'est-ce pas moi qui ai bâti tout ça là, Babylone? Une voix sort du ciel. Roi Nebuchadnezzar, tu es fatigué. On va t'envoyer en vacances. 7 ans. Le roi n'avait pas pris de vacances depuis des années. Il est parti où? Pas au Club Med, pas au soleil, en forêt. 7 ans. Ses hommes ont poussé, les chevaux ont poussé. Quand le lion le croisait, il disait, c'est quel animal ça? C'est un nouveau, une nouvelle espèce. Et Dieu avait mis sa main sur cet animal pour ne pas que les animaux le mangent. Tout le monde l'a abandonné. 7 ans après, il lève les yeux au ciel. Il dit, je reconnais que toi seul dois être loué. C'est celui-là que nous sommes venus vous présenter. Un jour, je tombe malade, mais malade. Un ange est venu. Il m'a nettoyé. Je me lève guéri. Une autre fois, un ange est venu m'a pris, il m'a amené au ciel. J'arrive, je vois l'ange Gabriel comme je te vois. Je lui pose des questions, il me répond. Gabriel, on discute. Gabriel. Des yeux qui brillent comme ça. Je vois Michael était un peu plus loin. Les autres archanges étaient là-bas. Je pose la question à Gabriel. Ils me disent, Jésus-Christ revient. Le maître revient. Il vient, préparez-vous. J'étais assis au pied de l'arbre de vie. L'arbre de vie est tellement grand, tellement haut, qu'on ne voit pas sa cime. C'est énorme. Le royaume céleste est vrai. Jésus, il est assis sur son trône. Il faut voir le trône. Le trône de Dieu a des roues. Il y a des roues. C'est dans la Bible. Il y a du feu tout autour. Il y a des tonnerres tout le temps. Il y a des éclairs qui partent dans tous les sens. Et tout autour, il y avait des chérubins, des séraphins. Et Dieu est comme assis sur ses archanges, ses anges terribles. Le Dieu des prophètes. Le Dieu de la révélation que Satan veut cacher, mais l'heure de la révélation est déjà, vous avez sonné depuis la croix. Et il revient à Brazzaville, il revient en Afrique centrale pour dire stop la confusion. Le peuple hébraïque est dans ce lieu, le peuple du livre est dans ce lieu, le peuple de la révélation est dans ce lieu. Le peuple choisi est dans ce lieu. Le peuple libéré est dans ce lieu. Jesus. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose ici. Des hommes et des femmes qui ont reçu des dons de vision, des dons de prophétie, qui sont étouffés dans les assemblées, qui sont écrasés dans les assemblées. Et Dieu vient les activer. Dieu vient les réveiller. Dieu vient les secouer. Dieu vient les oindre. Dieu vient les toucher. Dieu vient les enflammer. Parce que le nom de Dieu est révélé. Yehoshua Mashiach. Oh, oh, oh. Jesus. Nous sommes en train de partir au ciel. Mais avant le départ, l'église véritable va expérimenter la gloire de Dieu. Ce n'est pas l'onction, c'est la gloire.
La gloire, c'est Dieu lui-même qui vient et qui sanctifie l'église. Parce qu'il revient chercher une église glorieuse. L'église dans la gloire, dans le feu, dans la sainteté, dans la sanctification, dans la gloire. Oh, Jesus Christ, alléluia, Jesus. Il y a quelque chose ici. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, fais ça, alléluia. Autour de toi, toi, enfant de Dieu, autour de toi, il y a toute une activité spirituelle. Alléluia. Voilà pourquoi tu vas te déplacer de plus en plus dans la vie de tous les jours avec cette gloire de Dieu. Et Dieu va de plus en plus être exigeant. Il va de plus en plus te purifier, de plus en plus te nettoyer, de plus en plus te sanctifier. Et aucun franc-maçon ne peut lever sa main sur ta vie. Aucun rosicrucien ne peut lever sa main sur ta vie. Aucun sataniste ne peut lever sa main sur ta vie. Parce que ta vie glorifiera le Seigneur. Ta vie glorifiera le Seigneur. Je parle à quelqu'un ici. Je parle à quelqu'un ici. Jesus. Il est là. Il est là. Il y a quelque chose ici. Le feu de la gloire. Mon peuple, je suis venu à Brazzaville pour te parler, pour te visiter. Je suis venu confirmer l'appel que j'ai mis sur ta